Salut! Bon, octobre approche et une des questions qu'on me pose le plus, c'est est-ce qu'il y aura les Vloctobre cette année? L'an passé, dans mon tout dernier Vloctobre, je vous avais dit ceci. Voilà, je voulais vous dire, ne soyez pas triste, mais c'est peut-être la dernière année où il y a eu des Vloctobre sur ma chaîne. Je peux pas vous en dire trop plus parce que j'ai des gros projets qui arrivent, qui vont arriver, qui vont prendre énormément de temps à mettre en œuvre. Et peut-être qu'en octobre prochain, je serai très investi dans autre chose. Mais vous allez toujours pouvoir participer et vous allez voir, c'est autre chose. Donc voilà, je sais pas encore. Peut-être qu'il va y en avoir, peut-être pas, mais partons du principe que c'était potentiellement la dernière année des Vloctobre. Voilà. Ne pleurez pas à travers l'écran, je ne pleurerai pas à travers cet écran. Ouais, bon, là clairement, on est en 2020, octobre, bah ça approche. Je le savais pas l'an passé au moment du dernier octobre, forcément, mais Miss Tinguette Corona a débarqué dans nos vies et a bien foutu en l'air l'année 2020 quand même. Je pensais vraiment pas dire ça avec le début d'année 2020 chaotique, mais je suis vraiment content, très content parce que ce projet il avance là en ce moment surtout très très vite. Et puis finalement, même si je pensais que j'allais pas pouvoir allumer ma caméra en octobre de cette année parce que je pensais être à 200% investi dans ce fameux projet, bah finalement c'est pas tout à fait le cas. Le projet il a juste simplement été repoussé, donc bah finalement ce mois d'octobre où je vais être ultra occupé, il a été repoussé aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça va arriver un peu plus tard, je vais être très occupé, mais pas pendant le mois d'octobre. Du coup, bah ça veut dire que. Bienvenue dans la saison 6 des Vloctobre. Bah ouais, je sais, comme je vis pour Halloween, je pouvais vraiment pas faire l'impasse sur cette période, ça me tient beaucoup trop à cœur. Mais attendez un petit peu, calmons-nous, je dois vous expliquer 2-3 trucs. Cette année, bah forcément, Covid oblige, tout ça, ça sera un peu spécial. Il n'y aura pas un vlog par jour qui va être posté. Il n'y a pas vraiment de fréquence, à vrai dire. Il y aura un vlog comme ci, comme ça, qui arrivera. Mais je peux vraiment pas vous promettre de faire un vlog par jour. Vous l'avez sûrement remarqué, mais à peu près 80, on va dire, plus ou moins 1% des vlogtobres, ils étaient tournés à l'étranger, dans des parcs d'attractions à l'étranger, etc. 2020 et bah, le Covid, du coup, c'est un peu la merde hein, d'aller à l'étranger, donc du coup. Toute cette partie c'est mort, donc forcément bah, ça réduit les vidéos, donc bah voilà, c'est un peu plus compliqué. J'ai dû me réadapter et à peu près 90% des Vloctobre seront tournés en France. Ça va être tout aussi cool, croyez-moi, et bah d'ailleurs justement c'est là que vous intervenez, parce que si à côté de chez vous, vous avez un truc d'Halloween, un truc d'horreur ou quoi que ce soit, qui rentrerait bien dans un vlog, ou pas forcément d'Halloween d'octobre, mais un truc cool, bref, un truc cool à montrer dans des Vloctobre, peu importe. Bah, je suis grave preneur en fait, donc bah, n'hésitez pas à me le dire là par exemple dans les commentaires de cette vidéo ou même sur Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me regardent aussi. Bon, bah, la Belgique, cette année, les Vloctobre, ce sera pas chez vous. Je sais que j'allais souvent en Belgique. Parce que cette année, elle est un peu bizarre. Suivez-moi bien sur Instagram puisque c'est là que je vous indiquerai quand est-ce qu'il va y avoir des vlogs ou pas. Et quand il n'y aura pas de vlog, je pense que sur Insta, je ferai des petits lives horrifiques. Des lives d'horreur, des lives d'Halloween, tout ça, mais des directs, quoi, je veux dire, avec vous allez pouvoir participer, tout ça, ça sera cool. Donc, bref, suivez-moi sur Insta, ce sera plus facile pour vous de suivre un peu l'actu, quoi. Enfin, bref, cette année est un peu spéciale, mais je voulais pas du tout faire la place sur les Vloctobre, c'est franchement, c'est trop cool, c'est notre rendez-vous, c'est la période où on est le plus ensemble. Virtuellement, mais ensemble, hein, tu vois ce que je veux dire. Même s'il n'y aura pas un vlog par jour, vous pouvez être sûr qu'il y aura au grand minimum une dizaine de vlogs. Donc déjà ça, c'est vraiment cool. Je dis bien un minimum, on sait pas de quoi demain il fait. On sait pas, peut-être il y aura 1 milliard d'autres choses qui vont arriver et qui seront possibles de faire. Mais voilà, au minimum une dizaine de vlogs, soyez sûrs, et ça c'est cool. Je le sens, cette année, je risque de pas dormir. Ça va être du boulot, mais je suis trop content et c'est vraiment ça qui me fait le plus kiffer. Dans cette aventure, donc voilà. Rendez-vous donc le 1er octobre pour le début des aventures. Merci de toujours être présent pour me suivre dans cette aventure. Et puis bah voilà, j'ai envie de dire, les octobre, c'est parti, que l'aventure commence.